directives que nous avons reçues. Votre réponse ? Alors, tout à fait, bien sûr, c'est évidemment. Je dirais simplement que, bon, d'abord, le bouddhisme est multiculturel, hein, puisqu'il est, il s'est manifesté d'abord, certes, dans le contexte indien, mais après, il a changé totalement le contexte. Quand on pense au contexte chinois, c'est vraiment pas du tout le contexte indien. Quand on pense au contexte tibétain, c'est encore totalement différent. Quand on pense au contexte du sud-est asiatique, encore autre chose. Et maintenant, il est en Occident. Et la culture joue un rôle, évidemment, parce que de toute façon, on part de langues qui sont des langues pas toujours indo-européennes, puisque dans le cas du chinois, c'est pas une langue indo-européenne. On part effectivement de fonds culturels qui ont adopté le bouddhisme, hein, parce qu'il y a maintenant plusieurs formes de bouddhisme différents dans différents contextes culturels. Mais il reste un message fondamentalement qui dépasse un peu les cultures. Et ça, bon, c'est le côté un peu universaliste effectivement, mais pas au sens occidental hein, du terme. Mais il y a un côté universaliste effectivement, dans le sens où, encore une fois, c'est l'expérience qui est le plus important dans toute cette histoire. Maintenant, effectivement, le côté culturel, on le voit. Un temple japonais n'a pas la tête d'un temple chinois ou d'un temple vietnamien ou d'un temple, encore que là, bon, il y a encore des points communs, mais avec un temple, je dirais, par exemple, indonésien ou autre. Donc, il y a des grandes différences, effectivement, culturelles qui impriment leur marque sur le bouddhisme et sur le message du Bouddha qui va être décliné et interprété différemment, en effet. Donc il y a un aspect, effectivement, de la culture qui est collective, effectivement, sur la manière dont ça va s'exprimer. Néanmoins, quand l'individu va pratiquer, il doit s'efforcer de s'abstraire de ces aspects culturels. Parce que ces aspects culturels font partie du conditionnement pour le bouddhisme. Et donc le Bouddha n'a jamais insisté sur les conditionnements, il a insisté sur le fait que nous étions conditionnés et que l'important était de se déconditionner. Donc il insiste aussi sur le déconditionnement culturel. Par exemple, il accepte les dieux du brahmanisme, parce que c'est en Inde, mais ils sont relégués à un rôle tout à fait secondaire. Les dieux ne sont pas des objets de refuge, on ne prend pas refuge dans les dieux. Les dieux sont acceptés comme étant des êtres simplement un peu supérieurs aux êtres humains, mais conditionnés. Par conséquent, on ne va pas prendre refuge en eux, parce qu'ils ne peuvent pas plus que les êtres humains. Le seul état inconditionné que l'on essaye de rechercher, c'est ce qu'on appelle l'état d'éveil, l'état de bouddhéité, hein, le fait de devenir soi-même un Bouddha. Donc, quelque part, on dépasse quand même la culture à ce niveau-là. Il est moins 20. Bon, sinon, je pense que j'ai une bonne. Enfin, j'ai une question à poser. Je suis sûr que vous la reposerez. Bon. Il est moins 20 et je crois qu'il faut donner la parole à la salle. Oui, c'est vrai. Et nous reviendrons ensuite. Bonsoir. Moi, j'ai une question, mais j'ai contribué aussi au débat tout à l'heure pour une phrase d'un penseur de la complexité que vous connaissez sûrement, Edgar Morin, tout à l'heure, quand vous dites. C'est l'individu qui est le plus important et non la société et non pas l'homme. Et comment il nous dit, c'est l'homme qui fait la société qui fait l'homme. Donc, oui, tout à fait. Moi, je pense que ça résume les deux en même temps pour pas. Voilà, plus de conflit. Donc, ça peut aider. Et ma question, c'est la suivante. Vous, pour le bouddhisme, vous avez dit. Il faut se déconditionner, mais vous oubliez la condition de connaître le savoir du Bouddha. Comment on fait, Alors, on part du conditionné, parce que nous sommes conditionnés. Et l'enseignement du Bouddha lui-même est conditionné par les circonstances dans lesquelles il l'a enseigné. Mais c'est l'état dans lequel on essaye de parvenir en découvrant sa vraie nature, qui est inconditionné. Mais on va utiliser des conditionnements, tous les chemins préconisés par le Bouddha ou par les maîtres qui ont suivi le Bouddha dans les traditions bouddhiques sont aussi des conditionnements. Mais on utilise des conditionnements pour se déconditionner, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ces conditionnements comme étant, par exemple, le rite. Dans le bouddhisme, il y a des rites. Mais on dit qu'il ne faut pas s'attacher au rite. Et ça, c'est fondamental. Parce que c'est pas le rituel, c'est pas le rite qui fonctionne en lui-même. C'est l'esprit de celui qui fait le rite qui compte. Et donc, si l'esprit est transformé à travers le rite, ou si l'esprit s'ouvre à travers le rite,
Le rite aura joué son rôle, mais le rite en lui-même, on s'en fiche, quelque part. Vous voyez ? On s'en fiche pas parce que c'est un moyen de canaliser l'esprit tant qu'il a besoin d'être canalisé. Quand il arrive à l'expérience fondamentale qu'on cherche, il n'y a plus de rite. Bonsoir. Alors, moi, j'ai deux questions. La première question, c'est sur l'égalité de l'homme et de la femme, en fait. Parce que ce n'est pas un sujet que vous avez abordé. Ah si, si, ça a été abordé dans une certaine mesure, mais pas sous ces termes-là. En tous les cas, du fait que le masculin et le féminin n'étaient pas mélangés, ça c'est clair. Et juste, maintenant que l'égalité de l'homme et de la femme, c'est devenu un principe qui était universellement reconnu, je voulais savoir si, à votre connaissance, il y avait justement des mouvements religieux pour qui c'était vraiment un principe qu'ils appliquaient même dans leurs institutions, parce que la plupart des religions actuelles, on leur reproche d'être un peu patriarcales en fait, avec une majorité d'hommes et très peu de femmes. Donc du coup, je veux savoir ce que vous allez dire sur ça. Et aussi, une deuxième question, c'est sur les lois religieuses. Parce qu'en fait, chaque religion est née dans un contexte particulier, culturel et d'elle pas dire, quoi. Et du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du fait d'appliquer des lois qui étaient peut-être bénéfiques il y a 1400 ans ou il y a 2000 ans, mais qui aujourd'hui, en fait, peuvent être délétères, en fait. C'est un peu le fait de vouloir, je sais pas, appliquer, donner un médicament d'enfant à un adulte, en fait. Et du coup, ça pose aussi la question de savoir, bah, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions et pas une seule, dans ce cas-là. Et c'est aussi justement parce que peut-être l'humanité évolue et peut-être des lois qui, aussi, Alors, avant juste de donner la parole à nos intervenants, j'aurais souhaité juste, oh, je suis désolé, souhaiter lire une phrase c'est du très beau français, c'est de Rousseau. Dès que les peuples se sont avisés de faire parler Dieu, chacun l'a fait parler à sa mode et lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si l'on n'eût écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur terre. Bon. Sur la question des femmes, évidemment, je donne forcément la parole. D'accord, à Sophie Norman. C'est une grande question, donc là, je vais vraiment aller trop vite. D'abord, c'est une vraie question dans le judaïsme et qui fait l'objet de nombreux débats. Donc, je peux pas là vous donner une réponse au nom du judaïsme dans son ensemble, ça n'aurait pas de sens. Ce que je peux dire en revanche, c'est que si je crois que j'ai formulé les choses comme ça, si par égalité vous entendez une égale dignité de l'homme et de la femme. Alors, je pense que c'est un principe qui est acquis dans le judaïsme. En revanche, si par égalité, vous entendez une sorte d'interchangeabilité de l'homme et de la femme, une sorte de mise en équivalence, alors non, c'est absolument pas quelque chose qui va de soi. Mais je crois que ça n'est de toute façon pas quelque chose qui va de soi. Et donc, quand vous dites que l'égalité des hommes et des femmes est quelque chose d'universellement admis, qu'est-ce que vous entendez par égalité? Voilà, j'ai un peu envie de vous renverser cette question. Égale dignité, oui. Interchangeabilité, substituabilité, équivalence, là non. Et dans le judaïsme, il y a effectivement certaines choses qui sont réservées aux hommes, certaines choses qui sont réservées aux femmes, et il y a cette distinction fondamentale entre les deux. Après, je réponds aussi directement sur la. Après, pour votre aussi très vite sur votre deuxième question, celle de la pertinence à appliquer certaines règles pratiques qui datent. Alors là aussi, ça fait question. C'est ce que je disais tout à l'heure, un peu sur les différentes manières de concevoir la transmission. Est-ce qu'il faut garder intact ou est-ce qu'il faut au contraire adapter à chaque génération? Donc là aussi, ça fait question. Néanmoins, il y a aussi quelque chose de très important dans le judaïsme, c'est l'idée qu'il ne faut pas céder aux sirènes de son temps. Et que parfois, il y a des choses qui sont bonnes à préserver parce que on a trop tendance justement à vouloir, en allant très vite, je sais pas, je pourrais prendre un exemple, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple par exemple du respect du Shabbat. Au moment du Shabbat, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, utiliser l'électricité ou ce genre de choses. On pourrait très bien dire, mais enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, on peut, enfin, en quoi allumer un bouton, ça fait oublier le repos de Dieu après les 6 jours de la création. Enfin, on pourrait mettre en question un certain nombre de pratiques. Néanmoins,
il y a aussi cette idée qui est très importante, qui est que dans le monde dans lequel on vit, qui est un monde où chaque jour ressemble au suivant et où finalement on n'a plus cette distinction entre un temps de la semaine et puis un temps qui serait séparé, qui serait celui d'un temps d'arrêt, de repos, de retour sur soi, etc. Eh ben, il y a là quelque chose à préserver. Alors, c'est peut-être une pratique ancienne, il y a peut-être une forme d'anachronisme là-dedans, mais c'est un anachronisme qui est d'une certaine manière assumé et qui et sur lequel et qu'il faut pas trop vite rejeter comme étant dépassé, périmé, etc. Voilà. Lucien Scubla, peut-être. Oui, j'abonderai dans le sens de ce qui a été dit sur le problème de l'égalité. Je crois que même dans notre Déclaration des droits de l'homme, dont j'ai parlé tout à l'heure, on dit simplement que les hommes, tous les êtres humains, sont égaux en droit. Hein, mais ça n'implique pas qu'ils soient interchangeables. Hein. Et je crois qu'il y a une confusion dans la pensée moderne, surtout dans nos pays occidentaux, justement, entre l'égalité et l'indifférenciation, finalement, de tous les êtres. Et dans la plupart des sociétés, alors dans l'exemple que j'ai donné, par exemple, de la société mélanésienne, là, effectivement, il y a une opposition entre l'homme et la femme, mais en même temps, il y a une équivalence entre le prêtre qui fait des sacrifices aux ancêtres, hein, à l'autre bout du village, et la femme qui accouche. Hein. Et on voit bien qu'il y a une sorte de... Tous les deux font quelque chose qui est extrêmement important pour la survie de la société. La femme reproduit les hommes, et les sacrificateurs reproduisent la société avec toutes ses institutions et tous ses rites. C'est la fonction qui est attribuée aux sacrifices qu'ils font. Donc, on voit bien qu'il y a complémentarité des sexes, et qu'il peut y avoir des deux côtés, hein, bien qu'il y ait effectivement une sorte de biais masculin, puisque effectivement, même lorsque le village est construit sur un terrain parfaitement plat, on dit que le côté des hommes est le côté haut et celui des femmes le côté bas. Bon, donc c'est vrai que il y a une tendance aux hommes à estimer qu'ils sont supérieurs à certains égards aux femmes. Mais quand on regarde exactement les rites, les mythes, etc., et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre que vous avez bien voulu citer, Donner la vie, donner la mort, on s'aperçoit que dans beaucoup de sociétés, dans celle-là, c'est très net, les hommes du sexe masculin ont bien conscience que les femmes jouent un rôle essentiel dans la reproduction de la société. Et que la procréation, c'est quelque chose d'essentiel. Et d'une certaine manière, ils essaient, notamment dans les initiations, qui sont souvent une manière de donner une nouvelle naissance aux enfants, eh bien, ils essaient transmettre la culture de la même manière que les femmes ont transmis la vie, hein, et les deux étant parfaitement complémentaires. Naître et être. Oui, alors voilà. Moi, je voulais répondre à la deuxième question par rapport à l'histoire de la... peut-on changer les rites ou les traditions ou les lois? Je pense que tradition, il ne faut jamais oublier que ça veut dire transmission. C'est-à-dire, c'est quelque chose de transgénérationnel. On passe quelque chose aux générations suivantes. Donc, dans la transmission ou dans la tradition, il y a la forme et le fond. Le fond, c'est l'élément spirituel. Ça doit rester vivant. Si l'élément spirituel disparaît, on n'a plus qu'une forme informe, si j'ose dire. Vous voyez ce que je veux dire? Juste un simulacre de transmission. Et donc, la transmission est morte. Si on a une forme, c'est parce qu'il faut une forme pour transmettre quelque chose comme un précieux liquide doit être transmis à travers un récipient. Donc le récipient, c'est la forme, c'est l'aspect formel de la transmission. Mais cette forme peut changer. On peut l'assouplir, on peut la décorer différemment. Il faut faire en fonction des circonstances et du temps. Donc une tradition qui fonctionne bien, elle ne perd jamais son fond, mais elle peut transformer sa forme, car elle n'a pas peur de transformer sa forme. Quand une tradition a peur de transformer sa forme et s'obsède sur sa forme, ça devient un fondamentalisme et bientôt un intégrisme. Et alors à ce moment-là, la transmission, vous pouvez dire qu'elle est morte.
Il n'y a plus rien à transmettre. C'est juste un simulacre de religion. Voilà. Ok, juste une indication bibliographique sur la question de l'égalité homme-femme. Elisabeth Badinter, bien connue, a écrit un livre qui s'appelle « L'un et l'autre », EST. On ne peut pas accuser Elisabeth Badinter de ne pas être féministe. Mais elle y dit clairement que si on veut l'égalité, au sens de la fameuse égalité réelle, qui est même, paraît-il, rentrée dans les intitulés des ministères aujourd'hui, et non pas l'égalité en droit et en dignité, alors il faut jouer la carte de l'identité. Elle est absolument claire là-dessus. Hein. Et donc, il faudra que les hommes portent les enfants au même titre que les femmes, car la science et la technique le permettra. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Autre question. J'ai l'impression que notre débat fait l'impasse et en même temps n'arrête pas de tangenter la question suivante. L'idée même qu'il puisse y avoir un choix individuel est inacceptable dans certaines religions. C'est-à-dire que le vrai débat, enfin, la vraie opposition, ce n'est pas profane et sacré, c'est sacré et individu. Dans énormément de religions, encore aujourd'hui, l'idée d'un choix personnel est une idée absurde. On est, le mot qui n'a pas été prononcé, c'est celui d'appartenance, il a été tangenté. Mais l'idée de choisir sa religion est une idée refusée par un très grand nombre aujourd'hui de religions, et avec d'ailleurs le risque d'apostasie et la punition que l'on connaît aujourd'hui pour l'apostasie. Donc, c'est pour ça que la Déclaration des droits de l'homme est problématique, effectivement, c'est parce que c'est un texte très récent qui suppose un individu non seulement rationnel, mais volontaire. Rappelle, les premières définitions du sacré, c'est Damonus, le 1er ou 2e siècle, c'est le sacré, c'est ce qui dépasse l'intellect, ce qui n'est pas accessible à l'intellect. Donc, c'est des choses qui vous enveloppent. L'idée de choisir sa religion et de reconnaître une espèce d'individualité, de détermination personnelle dans le religieux, c'est une chose extrêmement récente et qui n'est pas acceptée par un très très grand nombre de religions aujourd'hui. C'était au fond plutôt une contribution qu'une question, au fond, ou bien sur l'action de l'appartenance, je pense que... Oui, ben, c'est aussi une correction, parce que ce que je veux dire par là, c'est que si je parle de l'individu qui va choisir de faire un chemin spirituel, c'est aussi parce que peut-être il peut être appelé. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de peut-être ses conditionnements antérieurs qui vont faire qu'il va être effectivement appelé à quelque chose. Donc je ne vais pas vers l'individu roi. Non plus, quand je dis ça. Hein. Voilà. Mais dans le Tibet du temps d'avant l'invasion, est-ce qu'on pouvait être autre chose que bouddhiste, par exemple ? Bien sûr. Il y avait des musulmans, il y a des bonpo. Des communautés, d'accord. Oui. Mais des bah, quelqu'un qui se des dit... Tibétains qui font un coming out. Non, bah, un Tibétain qui ne veut pas être bouddhiste, il le dit, et puis il n'est pas bouddhiste, et puis c'est tout. Et c'est documenté, ça ? Non, je pense que, franchement, dans le bouddhisme, il n'y a aucun problème si quelqu'un sort du bouddhisme. D'accord. Okay. Ouais. Sauf si on demande à part. Après la réforme, c'est-à-dire au XVIIe, XVIIIe siècle, chez nous, en Europe, cuius regio, eius regio, tu auras la religion de ton prince. L'idée de choisir sa religion, quand même une idée extrêmement récente et qui n'a peut-être rien à voir avec la notion de religion, on ne choisit pas le sacré. Enfin oui, je veux bien faire, enfin, réagir, mais ce n'est pas vraiment une réponse, mais d'abord un tout petit peu étonné par la question, parce qu'il me semblait qu'on avait justement abordé ce point, en tout cas au moins pour ce qui est du bouddhisme avec cette question du choix individuel, et puis pour le judaïsme avec effectivement cette idée que la situation précède le choix, si vous voulez. C'est que avec cette idée que je pourrais peut-être formuler comme ça, qu'il y a une sorte de fiction peut-être de l'individu moderne, de l'autonomie moderne, qui est qu'on serait neutre, placé devant des options, et puis on choisit, comme on fait ses courses au supermarché. Et
c'est peut-être cette fiction-là qui ressort de votre question et à laquelle, enfin, moi, il me semblait que je l'avais abordée, mais peut-être de manière pas suffisamment claire, avec cette idée que ça, c'est justement une construction mentale. Mais qu'en réalité, on est d'emblée placé dans une situation. Et que le choix qu'on peut faire, il se fait toujours en situation. Et donc, voilà, enfin voilà, c'est peut-être ça que je voudrais répondre. Il y a peut-être d'autres questions. Je voulais faire une petite réflexion par rapport au bouddhisme et après une question religieux monothéiste. Alors, c'est vrai que, bon, vous nous avez expliqué un peu ce qu'était le bouddhisme, mais de toute façon, pour comprendre, je pense que pour comprendre le bouddhisme, il faut déjà. Quand même, déjà bien connaître, vous avez, c'est vrai, cité le brahmanisme, mais il faut bien connaître l'hindouisme, qui est déjà un système assez complexe. Donc il y a quand même des liens de chronologie. Quand même. Non. Justement, tout ça est battu en brèche à l'heure actuelle. On sait très bien que le bouddhisme ne vient pas de l'hindouisme. D'ailleurs, l'hindouisme est beaucoup plus récent. C'est le brahmanisme ancien, mais le brahmanisme lui-même n'avait pas, c'est une religion sacrificielle qui n'a rien à voir avec les idées du Bouddha. Et en fait, ce sont ces idées du Bouddha et du jaïnisme qui ont petit à petit pénétré le brahmanisme ancien et qui ont fait que ça a engagé une transformation de l'intérieur du brahmanisme vers une religion de libération comme le bouddhisme et le jaïnisme et qui a donné par la suite, dans des temps plus modernes, l'hindouisme. Mais ça, on en a la certitude à l'heure actuelle. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de dette du bouddhisme par rapport à l'hindouisme. Ouais. Alors, ça, c'est sûr. Pour le monothéisme, il n'a pas été... Alors, moi, la définition qu'on a eue de la religion, c'est vrai que c'est une définition classique, mais vous n'avez pas abordé du tout la finalité, je vois, de la religion, parce que, grosso modo, la religion, elle est faite... Bon, il y a le côté, disons, sur Terre, bon, c'est avoir une sorte de... d'atteindre la paix, la fraternité bon, entre les hommes et de l'autre côté lorsque bon, la personne quitte ce monde, et c'est aussi dans un monde bon, qu'on peut dire dans le monothéisme, essayer d'atteindre le paradis, d'être dans la félicité, etc. Grosso modo, on est tous d'accord là-dessus. Je crois pas qu'on soit tous d'accord là-dessus. Je mais... Ce qu'il y a, c'est que la problématique est que, par rapport au monothéisme, comment voulez-vous concilier ces objectifs alors que vous n'avez pas parlé justement des fondements sur lesquels s'appuie, par exemple, ces religions monothéistes qui souvent ont des positions contradictoires. Par exemple, si on prend le christianisme, et ce qui fait le fondement même du christianisme, c'est quand même bon, la crucifixion, etc., qui est liée d'ailleurs par les autres religions. Comment voulez-vous, atteindre ces objectifs de paix et de fraternité quand vous avez des antagonismes entre finalité et contradictoires, parce que le personnage central du christianisme, bon, étant rejeté par les deux autres, étant lié à la crucifixion d'une des religions, lie cette crucifixion, l'autre le rejette, etc. Donc, ça crée des situations, je veux dire, qui peuvent amener des conflits, hein, au travers des siècles, etc. Et c'est et justement la religion, le but c'était justement d'aller contre cela. Alors, comment voyez-vous il y a un paradoxe, alors comment voyez-vous la finalité de tout ça? Peut-être une. Très bien. Une réaction de Sophie alors, Norman et puis déjà, peut-être ensuite de Lucien Scublai qui pourra peut-être nous dire un mot de Girard à cette occasion-là. Mais enfin, bon. Déjà, je pense qu'il est très problématique, et c'est aussi pour ça que je n'ai pas parlé du christianisme, de parler des religions monothéistes. C'est encore une manière, j'ai dit qu'il ne fallait pas plaquer des catégories de pensée qui sont étrangères sur les objets qui... Je pense que c'est encore une manière de mettre dans le même sac un peu vite des choses qui sont... très différentes. C'est pour ça que moi j'ai parlé simplement du judaïsme et d'ailleurs, enfin, en posant la question plutôt qu'en affirmant, est-ce que le judaïsme est une religion ? Enfin, je crois que c'est aussi ce qui ressort de ce que j'ai dit ensuite. Par rapport à ce que vous disiez, comme encore une fois allant de soi, à savoir cette perspective d'une félicité dans un monde futur, je ne crois pas du tout que c'est quelque chose qui va de soi dans le judaïsme. Mais vous posiez la question de la finalité. La finalité, elle est clairement, mais ça aussi, il me semblait l'avoir dit. Que dois-je faire? Comment agir ici et maintenant? Et voilà, elle est là la finalité. Elle n'est pas dans l'idée d'un au-delà après la mort pour lequel j'accéderai au paradis, etc. Elle est dans que dois-je faire ici et maintenant. Et pour orienter le que dois-je faire ici et maintenant,
On a besoin d'une perspective, on a besoin d'une promesse, on a besoin d'un idéal. C'est un peu comme, si vous voulez, si on imagine par exemple un bateau qui vogue sur l'eau. Il peut aller à droite, à gauche, etc. Mais ce qu'il fait, son cheminement, n'a pas de sens. Pour que son action prenne un sens, il faut qu'il ait une destination, il faut qu'il ait un but. Et je crois que c'est ça... le rôle que joue dans le judaïsme, c'est une manière en tout cas de le comprendre, la promesse messianique. C'est pas du tout la promesse d'une félicité dans un au-delà après la mort. C'est plutôt l'idée d'une perspective qui va orienter notre action ici et maintenant et qui va lui permettre de prendre un sens. Donc la finalité, elle est encore et toujours dans que dois-je faire ici et maintenant. Oui, je ne peux pas répondre directement sur la question des monothéismes, mais pour le religieux en général, les religions en général, vous avez raison de poser la question de la finalité. Et il y a effectivement un concept qui manque un peu sur la liste des concepts qui vont être étudiés, c'est celui de salut. C'est que la fonction qu'on appelle, une religion, c'est d'abord des rites, un corpus de rites et d'interdits. Il y a des tabous, et il y a, on ne doit pas manger, par exemple, il y a des tabous alimentaires, pour toutes les religions, voilà un type d'interdit. Il y a, d'autre part, des choses que l'on doit absolument faire. Bon. Et donc, ces actions qui sont proscrites, ou qui sont au contraire prescrites, elles ont une fonction. Et la fonction, c'est d'assurer la survie du groupe et des individus qui la composent. Et dans la plupart des sociétés, c'est d'abord, on raisonne d'abord collectivement, c'est d'abord le groupe, puisque le salut de l'individu dépend d'abord du salut du groupe. Et le mot salut s'applique aussi à la santé. Vous voyez, en italien aussi, salute, c'est la santé. Hein. Et les religions traditionnelles qu'on rencontre dans les sociétés qu'étudient les ethnologues, elles ont des fins qui pourraient paraître un peu matérielles. Effectivement, c'est d'assurer la santé de tous les individus, la prospérité générale, la paix, effectivement, c'est un élément, puisque si les hommes se battent, s'il y a des conflits, il y a des morts, il y a des rancœurs, etc. Bon, donc il s'agit d'assurer la survie du groupe et du même coup des individus dans les meilleures conditions possibles. C'est ça la finalité fondamentale de toutes ces pratiques qui sont faites d'interdits, encore une fois, et de cérémonies obligatoires. Ça correspond pas du tout au bouddhisme. Je voudrais peut-être revenir sur cette question quand même, qui me turlupine un peu. C'est que j'ai toujours un exemple en tête, c'est d'une religion effectivement qui était un peu purement spirituelle, dont on n'a simplement que des textes, c'est ce qu'on appelle l'orphisme, mais justement qu'on connaît très mal, pour la raison que justement ils n'ont pas créé d'église, ils n'ont pas créé de rite, il n'y a pas eu de tradition, il y a eu simplement des écrits. On n'a que des écrits orphiques. Et je dis souvent à mes amis chrétiens qui voudraient revenir à la religion de Jésus primitive, eh bien que si effectivement il n'y avait pas eu tout le christianisme historique qu'il récuse, et Girard parfois tombe un peu dans ce travers, eh bien il nous resterait simplement que quelques textes, comme nous avons, il y aurait des écrits chrétiens, comme nous avons des écrits orphiques. Et je pense que ça doit être la même chose pour le bouddhisme. Il y a des temples, il y a des rites, il y a etc. Et c'est grâce à cette tradition que les individus, ensuite, peuvent effectivement, à l'intérieur de cette tradition, chercher une forme de perfection. Oui, mais il y a une lucidité sur le fait que tout ça n'est que convention. C'est tout. D'accord. Voilà. Au service d'une finalité, une autre question. Du coup, je me faisais une réflexion en écoutant ce débat et vos interventions. C'est si la définition qui est donnée par Durkheim de la religion comme un ensemble de croyances et de rites n'est pas plutôt typique d'un phénomène occidental qui a eu une convergence très particulière de ce que je dis, appellerais une dimension politique et une dimension métaphysique, avec du côté de la dimension politique, ce que j'ai pu comprendre du judaïsme mais aussi du cas des îles Samoa, où les rites sont constitutifs de la société, de sa transmission et de son maintien, et de l'autre côté, plutôt du côté du christianisme ou du bouddhisme, une dimension métaphysique, où le but de la religion est d'assurer soit l'éveil ou le salut de l'individu. Et où du coup, c'est quelque chose, ces deux dimensions ont été fusionnées à un moment
dans l'histoire de l'Occident, et c'est très difficile de l'appliquer aux autres concepts où il y a soit plus du politique, soit davantage du métaphysique. Ça paraît assez juste. Alors, j'ai l'impression que c'est plus une question qui... Oui, je ne sais pas si je dois répondre. Enfin, oui, je pense que bon, les définitions générales, effectivement, on peut toujours considérer que on ne peut jamais en produire, que les phénomènes sont trop divers pour qu'on puisse le faire. Je pense que la définition de Durkheim que récusait mon collègue tout à l'heure en disant il n'y a pas de sacré, vraiment l'opposition sacré-profane. Mais en même temps, vous avez parlé de souillure. Et la souillure, précisément, c'est un concept dans l'esprit. Dans l'esprit, oui. Alors la souillure serait une sorte de construction des... Un obscurcissement. Un obscurcissement. C'est le terme. Oui. Mais non, il n'y aurait. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas des actes qui sont des souillures? Est-ce que un bouddhiste, je vous pose la question naïvement, hein, je ne connais pas bien le bouddhisme, et les temples, est-ce qu'il n'y a pas des profanations possibles d'un temple? Oui, d'une certaine manière, oui, on peut effectivement, en cherchant bien, oui, bien sûr. Par exemple, on ne rentre pas dans un temple avec des chaussures, effectivement. Bon, ben voilà, simplement. Je suis d'accord. Moi, c'est quand même un ad minima. C'est pour ça que je pense que l'opposition sacrée-profane... elle est quand même suffisamment générale. Alors là, j'ai donné l'exemple, effectivement, et très clair, où là, on a exactement les catégories que Durkheim emploie, sacré, profane, et puis en même temps pur et impur, pour le sacré. Bon, on n'a pas toujours un vocabulaire aussi riche dans toutes les sociétés, c'est vrai. Ma collègue a insisté sur le fait que le mot religion, dans la plupart des sociétés, il n'y a pas de mot pour désigner la religion. La religion, va de soi, il y a un ensemble de traditions. On a des mythes éventuellement pour les justifier, qui racontent comment elles ont été instaurées, etc. Mais il n'y a pas de mots pour désigner l'ensemble. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner une définition générale de la religion. On n'a pas, il n'est pas nécessaire qu'il y ait partout ce terme présent. En revanche. Il me semble que, et il faut apporter la preuve du contraire, et c'est peut-être possible, hein. Moi je suis assez popérien, proposer des définitions qui sont réfutables, c'est-à-dire telles qu'elles sont suffisamment précises pour qu'on dise, pardon, là, votre définition ne marche pas. C'est pour ça que ce que disait mon collègue sur le bouddhisme m'intéressait, mais vous voyez que simplement ce qu'il vient d'ajouter en réponse à ma question me semble montrer le bouddhisme n'infirme pas la définition de Durkheim. Il l'infirme, mais pour des raisons différentes et beaucoup plus subtiles. D'accord. Mais qu'on n'a pas le temps de... On va laisser les subtilités. Voilà. Alors, deux questions au moins, pas plus, parce qu'une seule. Bon, d'accord, très bien, oui, très bien. Bonsoir. Ma question se porte sur le judaïsme de manière un peu spécifique. Je voudrais connaître, selon vous, selon votre avis de philosophe, la place des paroles qui sont nécessaires justement à la transmission de la tradition, à l'étude de la loi, à la transmission de la loi. Enfin, des paroles et a fortiori des croyances, parce que vous savez par exemple que le Talmud dit que les juifs qui par exemple ont autre chose disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts n'ont pas droit au monde futur, n'ont pas droit à la rédemption. Donc d'une certaine manière il existe des croyances, en tout cas des paroles conformes, une orthodoxie. Je voudrais savoir votre avis là-dessus. Alors sur le passage précis que vous évoquez, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce qu'il faudrait vraiment aller voir le texte talmudique, parce que très souvent dans le Talmud, ce qui est statué est précédé d'une discussion très longue, très fouillée, etc. Et là, je ne sais pas si ce à quoi vous faites référence, c'est à une des parties prenantes d'une discussion talmudique ou à une conclusion. Enfin, il faudrait aller voir de plus près le texte. Et si, pour ce qui est de... la question plus générale que vous adressez, si j'en ai bien compris le sens, ce que je dirais, c'est que il y a fondamentalement cette conscience dans le judaïsme qu'avec le judaïsme surgit, apparaît une parole qui n'est pas
la parole qu'on peut, qui n'est pas une parole que l'on peut déduire de l'observation naturelle de la nature. C'est-à-dire que au cœur du judaïsme, il y a les 10 commandements, qui sont justement des commandements, c'est-à-dire qui s'énoncent à l'impératif, parce que ils ne peuvent pas s'énoncer à l'indicatif, parce que de fait, dans l'indicatif, on tue. De fait, dans l'indicatif, on convoite. Donc, il y a besoin de commandements qui s'énoncent à l'impératif. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? Ça veut dire que tous ces commandements, ce ne sont pas des choses qu'on peut déduire d'une observation de la nature. Il n'y a rien, si on étudie scientifiquement les choses, il n'y a rien qui va nous dire « ne convoite pas les biens de ton prochain ». Donc, pour que ce commandement, il puisse se maintenir comme commandement, il doit se maintenir comme parole vivante. Et donc, le maintien, parce que s'il ne se maintient pas comme parole vivante, il est perdu et on ne pourra jamais le retrouver. C'est ni les biologistes, ni les anthropologues, ni, je veux dire, c'est pas en étudiant la nature ou la nature humaine qu'on va retrouver ce commandement. Donc, si on veut que ce commandement se perpétue, si on veut effectivement qu'on honore son père et sa mère, qu'on ne convoite pas les biens du voisin, toujours à l'impératif, parce que de fait, c'est pas pour ça que ça va se réaliser, mais en tout cas, si on veut que le commandement se maintienne comme commandement, il a éminemment besoin de se maintenir comme une parole vivante qu'on transmet de génération en génération. Donc il y a effectivement ce statut central accordé à la parole vivante, en particulier sous la forme du commandement. Bon, mais écoutez, je crois que cette soirée, je l'espère, a été parole vivante et que vous aurez eu à la fois de la lumière, mais aussi du trouble pour pouvoir continuer par vous-même. Voilà. Merci à tous.